Une personne peut dire amen. Une personne peut dire alléluia. Est-ce qu'une personne peut dire Hosanna? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Seulement ses côtés. C'est incroyable. Jésus est notre Seigneur. Il est son Seigneur. C'est pas en vrai que Dieu là ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous devez vous réveiller comme ça et je vais rentrer dans une dimension de la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Alpha? Alpha! Les premiers! Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait quelque chose ce matin. Je connais mon Dieu. Amen. Je suis sûr. Alléluia. Bouge un peu ta main. Bouge un peu ta main. Bouge un peu ta main. Amen. Je vois que ce matin, le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, celui qui est puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a appelé ce matin au Seigneur, pour l'écouter, il convient pour toi, mon frère, ma soeur, de rester attentive pour suivre l'évangile de la création. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole, était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons faire dans la vie du sujet, dans l'évangile de la révélation. C'est vrai que l'année passée, tu vivais dans des regrets. Dans des regrets. Dans des regrets. Dans des découragements. La Bible déclare que Moïse, quand il sortait avec les enfants d'Israël, la terre promise, il y avait des gens qui étaient aux côtés de Moïse. Il y avait Dathan qui était là. Dathan qui était là, il était pour décourager les gens. Il décourageait Aaron. Il décourageait tout le monde qui était là. Ça, c'est Dathan. Quand Moïse est monté sur le mont Sinaï pour chercher des commandements, la Bible déclare que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sans rentrer. Alors Aaron avec Dathan, ils se sont concertés pour pouvoir faire n'importe quoi. Alors Dathan a commencé à décorer les enfants d'Israël. Pour leur dire, regarde ce Moïse, il nous a fait quitter l'Égypte. Il nous a amené dans les néants. Pour l'instant, nous souffrons. Pour l'instant, nous souffrons. Il convient de rentrer en Égypte. Moïse est déjà mort. Donc cet homme-là, Nathan, il était là pour décourager le peuple d'Israël. Alors ce matin, nous allons parler de découragement. Il y a un décourager par les gens qui t'entourent. Il y a des gens qui te découragent. Il y a des gens qui te découragent encore et encore. C'est comme aller à l'autant de Moïse. C'est comme au temps de Dathan. Il décourageait les gens encore et encore. La Bible déclare que
touché par les rêves de Dieu sur la montagne. Et la Bible déclare que dit à Moïse, montre, parce que le peuple, ton peuple, ils sont dans la reconnaissance. Rentre, rentre, parce que Dathan est là. Et la Bible déclare Moïse, quand il est sorti, après avoir reçu les dix commandements de Dieu, il arrive, il trouve ce peuple en train d'adorer un veau. Donc il y a eu Dathan. Voilà Dathan qui décourageait les enfants d'Israël. Comme toi tu es là ce matin, vous avez des Dathan dans ta vie. Si tu as des projets, si tu vas aller le présenter, il va carrément te dire que ça peut parler. Il va te dire ça peut parler. Tel projet là, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas répondre à le travail. À ton âge là, il ne peut pas te marier. À ton âge, il ne peut pas avoir d'enfant. À ton âge, il ne peut pas être dans la stabilité. Alors les gens comme les Dathan sont dans nos mariages. Les gens de Dathan sont dans nos vies. Le découragement. L'année passée, tu vivais dans le découragement. Alors cette année, c'est une année nouvelle. Le découragement. Bolembo. Tu as tellement envie, tu as vécu dans le découragement l'année passée. Dans le découragement. Il y a des gens qui sont là qui te découragent. Non, tu ne peux pas arriver. Tu n'arriveras jamais. Arrête cette histoire. Tu ne te déranges pour rien. Parce que tu ne peux pas réussir. Et Dathan a parlé. Il a parlé. Car la Bible déclare. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Qui peut venir du nord? Qui peut venir du nord? Qui peut venir du sud? De l'est et de l'ouest. La Bible déclare. Toute arme forcée contre toi sera sans effet. Tu la condamneras. Ils sont l'héritage. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Je vous déclare ce matin. Moi je vous encourage. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que tu as un bon projet. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, Dieu sera contre toi. Est-ce qu'il peut se faire une nous voyons Joseph dans la maison de son père. Il me déclare, il était trop jeune. Il était visité par Dieu, par les songes. Il peut aider à ses frères. Je vais nous couper les germes. Nous coupions les germes. Et la mienne. Donc Dieu a révélé à Joseph des choses à dire. Alors ce matin, Dieu te révèle des choses à dire. Parce que Dieu te connaît mieux que quiconque. Personne ne peut faire des projets contre toi.
Le
Les découragements, mon frère. Ne suis pas les gens qui viendront te décourager. Si tu as un bon projet, vas-y. Si tu as un bon projet, vas-y. Alléluia. Il y a toujours des gens comme ça qui viendront. Les gens comme les Satan viendront. Ils viendront te décourager. La Bible déclare que Moïse, il avait calé de Josué. Il nous envoie dans un pays pour explorer ce pays. Tous ces gens qui étaient partis avec eux, tous ces gens qui étaient partis avec Josué, il entre pour dire à Moïse, ce pays-là est barricadé. On ne peut pas entrer là-bas. C'est impossible. Moïse, sans cela rien. Sans cela rien. Alors Moïse, il demande à l'Éternel. Mais toi, tu avais dit. Que ce pays depuis couler les lumières. Qu'est-ce qui se passe avec cette réponse? Je reviens à Moïse. Il ne la suit pas. Écoute Caleb. Écoute Josué. Je lui ai dit. Josué a dit. Tout est possible. Il n'y a personne qui a compris. Il n'y a personne qui a compris. Moïse se demande à Josué. Moi, c'est tout Josué. Il demande à Caleb. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Il dit, mais moi, Seigneur. Tout est possible. Alors, ce matin, je vais te dire quelque chose. Tout est possible. C'est moi cette sœur qui a compris quelque chose. Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite dans sa vie, Seigneur. Qu'elle soit la tête et non la queue. Qu'elle soit la première ou la dernière, Seigneur. Parce qu'elle a compris ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Si l'évangile passe, si tu sens qu'il tient tout ce passé de parole, il peut te lever. La parole, c'est la puissance. Nous n'est pas l'église catholique ici. Nous n'est pas l'observateur. Nous sommes des pentecôtistes. Il y a des mouvements des enfants. Il y a des mouvements des enfants. Il y a l'esprit de Dieu qui descend. Elle descend et touche. Elle descend et guérit. Elle descend et libère. Elle descend et bénit. Elle se casse la vie. Alléluia. Les découragements. Les découragements. L'année passée, Laetitia. Mboula Laetitia. A vécu. Yo, les découragements. Total. Nyonso. Elle est là. Azaliwa. C'est une parole prophétique. Elle peut témoigner. J'aime bien l'évangile. J'aime bien la parole de connaissance. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le découragement, l'année passée, tu as vécu. Dans les souffrances, dans les découragements, parce qu'il y a des gens qui étaient à tes côtés. Ce sont des gens qui ne t'aiment pas. Les gens qui te suivent inutilement. Les gens qui te disent je t'aime, ils ne t'aiment pas. Ils viennent avec des faux conseils. Avec des faux conseils. Vous devez comprendre. C'est celui-là, il a un ministère de découragement. Il a un ministère de découragement. Quand il rentre dans ta vie, il va être dérégré. Il y a des gens comme ça. La Bible dit, gare à toi. Toi qui vas te laisser dans ces situations-là. Ne te laisse pas non plus. Tu dois quitter cet homme.
Tu vas quitter cette femme. Tu vas quitter ton ami là. La Bible déclare. Confie-toi à l'Éternel. Lui et lui seul. Et il agira en temps opportun. Et dans tout état de cause, fais connaître vos besoins éternels. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de roi. Bientôt, on va finir. On va rentrer dans la prière. On prend un verset biblique. Eliot. Ézéchiel 42, verset 4. Ésaïe. Je vis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 42, verset 4. Amen. Il ne se découragera point. Il ne se découragera point. À quoi le matin. Il ne se relâchera point. Il ne se relâchera point. À quoi t'y cater. Jusqu'à ce qu'il ait établi. T'as dit la table, Koko Kisama. La justice sur la terre. Au sein de Boka Tina Mabelo. Si tu as compris, tu vas. Amen. Ce sont les prophètes, ma foi. Je vous remercie, mon frère. Amen. C'est pour toi. C'est l'Éternel. Il ne se découragera point dans ton histoire, dans ta situation, dans ton problème, dans ta famille, sur tes enfants, sur ton mariage, sur ta vie, sur ta santé. L'Éternel ne se découragera point. Vas-y. Et ne se relâchera point. Ça c'est Dieu. Il ne faut pas se relâcher dans ton histoire. Quelle que soit ta situation. Ça c'est Dieu qui te dit ce matin. Il te parle ce matin. Toi qui as perdu l'espoir. Tu as perdu l'espoir. Dieu te parle ce matin. Qu'est-ce qu'il dit mon frère? Il ne se découragera point. Parce que celui qui garde Israël. Israël. Il ne somnole pas. Il ne dort pas. Il ne va pas se relâcher pour dire, vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que j'ai péché, je suis hors de Dieu. Comme j'ai péché, Dieu n'aime pas. Prenons David. Prenons David. Celui qui est assassin. Il tuait les gens. Il touchait l'âme de l'Éternel. Après avoir touché les gens, il vient toucher l'âme de l'Éternel. Mais comment peut toucher l'âme de l'Éternel? Lui qui vient de pécher. La répentance. La répentance. C'est ça que David, la Bible dit, l'enfant sera mon cœur. Lui qui est assassin. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin. Il va pas se relâcher dans ton histoire. Quel que soit ton péché, il ne va pas se relâcher. Quel que soit ton péché, il va pas t'abandonner. Quel que soit ton péché, il va pas te condamner. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. À ceux qui sont en Christ. Amen. Il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Chanteurs, est-ce qu'on peut dire alléluia? Parce que quand vous criez les rêves, tu vas descendre. Voilà, vous êtes au calme. Est-ce qu'on peut dire alléluia?
Cette année qui vient de commencer, comme cet évangile est passé, tu ne vas pas se relâcher dans ton histoire. Tu vas voir un changement radical. Ta vie va se transformer. Qui était le petit, était le dernier, tu seras le premier. Il sera béni dans la ville. Il sera béni dans la maison. Il sera béni dans ton mariage. Parce que Dieu, il ne va pas se relâcher. Juste mon frère. Juste. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Alléluia. Et qui est le vrai Jésus? Elle vivait dans la persévérance. Amen. Et
Il était constamment dans la persévérance. Elle dit qu'il se connaît l'Éternel. C'est lui qui a établi tes lois. Dans ma situation, je sais qu'il va agir. Je sais qu'il va agir. Tu m'as dit, je sais que mon Dieu va faire. Parle comme ça, c'est ce que mon Dieu va faire. J'entends pas. Confessez l'évangile, bien aimé. C'est la puissance. Et un jour, touché par le sel jésuitique par excellence, et les justices. Cette femme est portée. J'en ai marre. Je vais rendre son jugement. Est-ce que vous avez compris? Ton Dieu est Dieu. Il ne regarde pas tout ce que tu as fait. Merci Jésus. Il dit ceci. C'est ta parole. Écoute cette opération. C'est ta parole. Il dit ceci, sans tenir compte de ta ignorance, sans tenir compte de ta ignorance, il est là. Merci. Sans tenir compte de ta ignorance que tu as vécue l'année passée, cette année, c'est la perfection. Cette année, c'est la bénédiction. Cette année, c'est la protection.
ne va jamais se décourager. Il ne va jamais nous relâcher. Il est avec nous et il sera avec nous jusqu'à la fin de toutes choses. Oh, dis merci à ton Dieu qui t'a parlé. À ces jours, ces premiers jours de la nouvelle année 2014. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. On acclame pour cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu ceci. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de la libéralité qui par notre moyen fera offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Nous sommes arrivés à un moment très 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 important. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et nous allons maintenant offrir à notre Dieu notre première offrande. La toute première pour cette année qui vient de commencer. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande. Si tu as un dîme, tu vas prendre. Tu vas prendre quelque chose. Tu vas venir rendre gloire à ton Dieu en mettant quelque chose